Ça, c'était moi avant la gêne. J'ai varié, j'ai touché à pas mal de domaines, j'ai fait commercial, barman, je suis parti travailler au Japon et j'ai voyagé un petit peu entre la France et l'Asie. Une longue introspection, j'ai fini par réaliser que je ne m'épanouissais pas professionnellement. Après une recherche sur Internet, j'ai fini par trouver l'école Digifab. Aujourd'hui, je travaille en tant que développeur back-end pour un prestataire de BFM Business. On fait l'intermédiaire entre un fournisseur de données boursières et la régie de BFM. Alors, j'avais un peu le cliché du gros barbu qui travaillait tout seul dans sa chambre sans contact avec l'extérieur. Alors, c'est pas ça du tout.